Allez! C'est électrode sur la mini. J'ai pas la bonne mini. Si, c'est bon. C'est bon, j'ai la bonne miniature. C'était un bait. Bonjour! Ça va, les gars? Bonjour à tous, bonsoir. Comment ça va pour la suite de ce fameux jeu Pokémon Légende Arceus? Du coup, qu'avons-nous fait de beau la dernière fois? Oh, il y a une quête ici. C'est nouveau. Didi. C'est quoi ce Pokémon? Ça, ma petite, c'est un Magikarp. Pourquoi il s'appelle comme ça? Il est fort, il est gentil, il vole. Il a trop la classe. C'est-à-dire quoi, avoir la classe? Pourquoi il a la classe? Il va à l'école? Ah ouais, d'accord, chiante. Tu peux encore me parler de Magikarp? Ah, il faut que je finisse la page Magikarp de... Ok, bon, très bien. Comment ça va les mecs? Comment ça va les amis? Ah oui, c'est vrai, elle veut Octillery. Du coup, aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure de Pokémon Légende Arceus. Je pense que ça va... Oh putain! Ah, j'ai mon Ronflex Baron, il rigole zéro. Vous avez vu la taille du truc? Théma, la taille du Ronflex. Ouais, donc du coup, oh, il y a un Magikarp qui vole aussi dans les... Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr. Bien sûr, ça rame. Je regarde. Ça m'a pas l'air de ramer, ou alors c'est le jeu. Mais voilà. Mais putain, mais ça va tranquille, gars. Ne t'emmerde pas surtout. Oh là là, il y a le Gallame aussi, là. Il est énorme. Oh là là. Pourquoi il se... Qu'est-ce qu'il branle? Il dort? On dirait qu'il s'est fait... Il s'est fait mettre KO. En tout cas, voilà. Hein, je vous prépare, comme d'habitude, au bug des 5 minutes. N'oubliez pas le bug des 5 minutes. Le live a coupé d'ici 2-3 minutes. Et c'est pas grave. Voilà. Alors, du coup, dans le dernier épisode, on s'était arrêté. On venait d'avoir le vol. Et donc nous allons retourner dans les terres immaculées où nous allons pouvoir normalement commencer assez vite par le Seracrawl. Ah ouais, alors je vole maintenant. Non, attends, alors j'ai dit je vole. Non, attends, je vole. Ouais, je vole. Regardez ça! Voilà, c'est le plus beau jour de ma vie, très honnêtement. C'est incroyable. Alors, est-ce que je vais pouvoir arriver au sommet du temple? Je sais pas si je vais pouvoir arriver au sommet du temple. Un incroyable décor. Ah, je dois pouvoir. Si je vais là. Si je vais. Mettons que je vais là. Alors. Oh, je peux peut-être attraper des Pokémon d'ici. Vous pensez que... Oh, du sel roche dur. Vous savez ce qui est dur, les mecs? Non, non, c'est trop long, on est d'accord. Hein. Ah, ça vole même pas jusque-là. Oh, il y a un Mamochon! Oh, c'est 100% un baron. Oh là là, c'est un baron. Il est sur le mec! Le Mamochon, il est sur le gars. Attends, parce que là... Moi, je suis chaud pour Mamochon, mais... Ça capture ou pas? Merde. Attends, bouge... Reviens là! Vous pensez qu'on peut... On peut... Je peux peut-être me... M'arrêter...
Tel un oiseau fulgurant. Non mais j'arrive pas à... Peut-être que je peux m'arrêter sur le sur la pointe là. Emma, ouais, rends-moi la Switch. Très compliqué. Fildron, je t'aime. Ouais, Emma, rends-lui la Switch, s'il te plaît. Il te demande. Oh là là. Oh, il se met à pleuvoir. Je suis tourné dans tous les sens. Ok, calme-toi. Ah. Ok. Ah, j'ai pris des dégâts. Ok, attends. Coucou, je suis un peu loin de lui, donc il peut pas trop s'énerver. Peut-être que je peux juste. Oh, il neige. Mais non, on peut faire ça. On peut faire ça dans le jeu? Rapproche-toi, attends. Je savais pas qu'on pouvait... Je croyais qu'il fallait le... à chaque fois... Attends. J'ai 60 baies au rang. Je suis prêt à te capturer, je te préviens. Regarde là. Une baie au rang. Attends, mais c'est génial. Je peux faire ça. Attends, mais je savais pas que je pouvais faire ça. En fait, il faut merde. Il faut que je la tire un peu plus près. Attendez. Rapproche-toi. Je peux le spammer en fait, non? Oh, le mabochon baron! J'ai lancé des plumes balles et j'ai eu le baron. Oh là là. Tel un gros plan cause de la vie. Sachez que je suis heureux. Ok, c'est bon, on peut partir par là. Ah bah, je suis content. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Allô? Oui, c'est moi. Oui, je vous entends bien. Vous m'entendez? Ah, très très bien. Je me présente, je m'appelle Henri. Je suis, est-ce que vous appréciez la sécurité de votre appartement? Non mais, quoi? Oui, parce que figurez-vous que je représente la société Digicable qui installe des alarmes pour les appartements. Non mais, ça fait la 7e fois que vous m'appelez. La 7e fois que vous m'appelez. Oui, mais vous êtes sur notre liste, donc nous continuerons à vous appeler. Retirez-moi de votre liste. Nous ne pouvons pas faire ça tant que vous n'avez pas installé d'alarme électrique Digicable. Est-ce que vous saviez que chez Digicable, eh bien, tous les clients étaient satisfaits ou remboursés? Ta mère! Ah, c'est bon. J'ai raccroché. Ah, voilà, j'ai eu le gros lasson éternel. Wahaha! Oh, bah il est là, lui. J'ai atteint le sommet. Mais qui voilà? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer le glaçon? Je me demande quand même ce qui te motive à faire tout cela. Oui, c'est vrai, on devait prendre le glaçon pour faire Sarah Crawl. Et je suis toujours en slip, hein. Vous donnez le glaçon éternel à Gareth. Oh, j'ai tant d'éloges à faire à ton sujet. Mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg pour préparer ton combat contre Sarah Crawl. Ok. Jeu d'acteur sur 20. Ah ouais, non, mais c'est vrai que moi, je suis un acteur né. Surtout, n'essaye pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici, mais ce n'est pas ton cas. Comment ça, grâce à mes muscles puissants? Moi aussi, j'ai des muscles puissants. Hein? YOLO, comme on dit. Non, pas YOLO, en fait. Ok, ouais. Alors, on va où? On va là. Le double bug des 5 minutes. Ah, bah merde, alors. Excusez-moi. Alors, il y avait des gens qui voulaient absolument que j'aille dans cette grotte. Ok. Voilà, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, il y a un petit...
Qu'est-ce que... C'était quoi, ça? Ah, c'est un Fantominus nul. Tu casses les couilles, toi. Vas-y, je m'en fous de toi. T'as un fou... Oh, il y a un truc stylé là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une... Examinez. C'est un rocher recouvert de glace. Ah oui, d'accord. Mais putain, mais il m'entend d'ici, le bâtard. Attends. Oh bon. Allez, cassons-nous. Clairement, il est casse-couille. Mais attends, mais y'a rien dans cette grotte. Oh, y'a des feux forêts, j'en ai besoin. Trop bien, j'ai besoin de feux forêts pour une quête. Une quéquette. Mais attends, mais c'est immense ici, je suis où là? Oh, mais c'est énorme. Vous savez ce qui est énorme? Mon amour pour vous, les mecs. Tu viens juste sous mes yeux, toi. C'était trop mignon ce que j'ai dit en vrai, je suis trop... Merde. Il a disparu. Ah bah là je suis sorti. Mais il n'y a pas du tout... Vous m'aviez dit qu'il y avait des Zoroarks. Je suis extrêmement déçu par mon chat qui m'a info-chatté. Oh non, mais maintenant il y a des Spectrum et des... Je m'en bats les couilles de Spectrum et Jean-Pierre Chevènement là. Voilà, moi je veux ça, moi. Merde. Débilos. Oh. Oh. Un Zorua de Galar. Attends. Doucement. Calme-toi. T'es un spectre, toi, hein, c'est ça, hein. Il est là. Oh, il est trop mignon. Cage éclair. Ok. La paralysie. C'est bon, c'est là. C'était pas de l'info de chat. Il est shiny, what the fuck. J'avoue, il est shiny. C'est votre gros délire sur ce let's play, C'est dur de dire que tous les Pokémon sont shiny, c'est ça? Pourquoi je suis en combat là? Attends, pourquoi je suis en combat? Y'a un baron? Non, mais c'est le bruit du combat ça. Mais qui m'attaque là? Pourquoi je suis en combat? Bon. Je sais pas. Mais du coup j'ai fini d'explorer cette grotte. Y avait pas grand chose. Enfin, il y avait des feux forêts et un Zorua de Galar. Hein. Haché! Oh! Ah, par contre, il s'est rééchappé. Merde. Bon, tant pis. Bon, bah, je crois que j'ai plus ou moins... Non, mais on sent... Personne ne t'aime, en fait. Ah, j'ai dit de Galar. Non, mais vous avez compris, c'est un peu Galar, ici, non? Les gros lassos, ils sont chill, hein, quand même. Hein. Ok, donc on devait aller où? Ah oui, pas loin, ok.
Il y a un random. Il y a des castorneaux ici. Non mais c'est une blague. Allez, merci. Oh, il y a ma chopper. Bah, regardez, c'est moi. Bah, c'est moi ça. Vous me reconnaissez ou pas? Vous voyez que je suis caché là ou pas? Oh, il dort. Oh, il dort. Il dort. Il dort, il dort, il dort, il dort, il dort, il dort. Pouh! Allez hop là. Toi t'es dedans. Hein. Ah non, mais il s'est échappé, mais d'où? Attends, mais c'est une blague. Il y a des trucs en bas. Il y a une dimension spatio-temporelle qui semble sur le point d'apparaître. Bon. On fera ça après. Oh merde, ici. Bonjour, c'est Percupio. Je dois avouer que rencontrer quelqu'un dans ces terres désolées fait particulièrement plaisir. Je suis venu livrer des fortis champis que Gareth m'a commandé et j'ai pu entendre deux ou trois choses intéressantes au sujet de Seracrawl. Comme par exemple, il a une double faiblesse au type combat. Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris? Si, bien sûr. Le contraire m'aurait étonné. C'est le cinquième monarque de Issue que tu vas rencontrer. Et sa puissance est considérable. Oh là là, je vais me faire rincer le fion. Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace, mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites ou faire sortir des pics de glace du sol. Il faisait 30 mètres. Je mange des fortis chapis pour, et je donne tout à la mutilation. Attends, mais je suis supposé mourir ou pas? Je vais vous laisser les... Oh là là, terrible. Il est assis? Mais non, il est pas type acier. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Vas-y, on peut y aller comme ça. Hein. Oh, c'est trop bien de voler, ça change la vie. Oh, le macogneur. Attendez, on va le faire en mode... Oh, il y a un score plein de neige. Ah mais tu me tabasses toi? Calme-toi. Il se calme ou pas? Il a pas l'air de se calmer hein. Ah si, je crois qu'il s'est calmé. Ok. Alors attendez, vous pensez que je peux vraiment me le faire comme ça là? Genre vraiment? Ou il est trop loin là, il a l'air trop loin là je pense. Qu'est-ce qu'il branle là? Oh, il montre ses muscles, on dirait moi à la salle de sport. Mais attends, mais c'est abusé de capturer les barons comme ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Merde. Ah mais y a la. Attendez, il faut qu'on aille faire la machin là. J'arrive. Attendez. Je reviendrai pour toi, mon ami. Y a pas... Ah oui, mais alors, c'est chiant ici, il y a très peu d'endroits où se cacher dans ces zones, non? Ah ouais, ça va être hyper relou, non? Oh, y a un... Oh, y a des trucs stylés en plus, c'est dommage. Y a boule de nœud et tout. Mais le truc, c'est que je sais pas où tu te caches sur ces biomes, tu peux pas vraiment te cacher, non? Je pense que le mieux à faire, en fait, c'est de ramasser les objets. Ouais, on va juste ramasser les objets. Oh, y a un Cisaiox. Il me faut le Cisaiox. Attendez.
Il est où? Il est là. Oh, il allait disparaître, j'ai juste à temps. Niveau 50, ok, bah attends, tonnerre ça le tue jamais. Oh, parfait. Joli dégât. 6 Aiox à close combat dans ce jeu! 6 Aiox à close combat! Allô? Non mais Allô? What? Mais attends, mais quoi? Ah oui, il faudrait des boules fumées, t'as raison. Ouais. Attends, mais on a eu un Sizzlex, c'est trop stylé, mais... Attends, moi je veux ramasser les objets d'abord. Attends, mais Sizzlex, close combat. Oh, il y a un petit évolu. Mais j'en ai déjà 3000 des évolu, donc flemme. Oh, un K-Morse. On chope plein d'objets là, c'est cool. Tesson rouge, tesson bleu. C'est des herbes ça ou pas? On est d'accord que c'est pas du tout des herbes. Ah peut-être. Oh peut-être. Oh c'est des herbes. C'est des herbes cachées du cul. Ah merde, j'en ai capturé aucun par contre. Oh galopin. Mais non mais... Et putain, je sais pas comment on fait pour... Ok, t'es morse. Ok. Oh, oui, effectivement. Non, attends, mais quoi? Mais putain, c'est quoi cette visée aux fraises? Oh, j'ai esquivé avec le... Avec... Ok. Bon, je peux pas viser... Ah oui, d'accord, ça vise un truc en dessous. Ah oui, ça visait un truc en dessous depuis le début. D'accord, c'était pas aux fraises, c'est juste que c'était bizarre. Ok. Ok. Des galopas. Non mais ça c'est chiant de ouf par contre, faut arrêter. Comment on change? Mais comment on change? Là il y a un Pokémon en bas là que je peux pas capturer. C'est trop chiant. Oh. Et les câbles. Non. Oh. Quel seum là. Il y avait des Pokémon en dessous, je pouvais pas les avoir, c'était chiant. Ah, c'est un baron, c'est pas mon pote. Ok. Alors maintenant je sais comment les capturer ces Pokémon. Avec... En vrai on peut faire les bombes aveuglantes, c'est vrai. Incroyable. Niveau 65. Non mais ça va les pokés là, vous me dites si vous ennuyez hein. Oh, il y a des petits Teraclups. Ok, on s'en fout un peu en fait. Ok, du coup on peut faire le Maconure aussi comme ça. En vrai c'est trop bien de ne pas combattre les barons. C'est la vie. Il est là encore? Ouais, il est là. C'est incroyable de se faire ça. Mais ça change la vie en fait. Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois pas? Tu me vois? Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois? Tu me vois? Tu me vois pas? Sykes! Oh, dans le dos! Dans le dos au corps à corps. Franchement là, si tu rentres pas dedans. Ok, il est pas rentré dedans. Tu me vois toujours pas hein? Tu me vois toujours pas hein? Mais attends, mais c'est insane, tu peux juste spammer comme ça en fait. Ah, pas trop quand même.
Ok. Allez, à demain hein. Quelle technique de fourbe. C'est vraiment la technique de fourbe de ouf en fait. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il s'approche de moi. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est bon, il est calmé. Ok. Oh, je suis dans les ténèbres. Il m'a vu? Non, il m'a pas vu. On est d'accord. Ah, il est aveugle! Regardez, il est complètement aveuglé! Le m'a connu à niveau 70! Incroyable technique! Bon, bah super, on capture les barons sans se battre maintenant. C'est plutôt plutôt positif, non? Aouh, je me suis fait mal. J'aurais pas dû tabasser. Alors attends, deux secondes. Il faut que je soigne Moulba parce que. Quoique. Ah si, Moulba double faiblesse l'adversaire au. On va utiliser des super potions. C'est bon. Ok. Il va briser tes os. Mais non! Regardez, j'ai Fiat Panda qui est présent. En vrai, si on dépasse avec Moulba, je vois pas. On va le one-shot à chaque fois. On va voir. Ta détermination t'aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Je vais fabriquer les boules pacifiantes avec le glaçon éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire. Oh là là, let's go. On a des close combats et tout. On a ce qu'il faut. Hein. On a ce qu'il faut. On a trois attaques. On a deux attaques combat, une attaque acier. En vrai, on est plutôt pas mal. Ton rôle est d'aller apaiser ça à crawl. Electrode était plus compliqué pour le combat pur, quoi. Il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver. Je te suggère d'esquiver les blocs de la glace. Oh, sa mère. Oh, regardez. Fifou face à l'immensité en short. Avec ses petites guettas. Petites sandales traditionnelles japonaises, là. Oh, sa mère. Mais c'est une baleine le truc. Ah oui. Ah non mais monsieur. Non mais attends, mais c'est une blague. Théma, la taille du rat. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait. Oh, c'est beau ça. Je peux pas sortir de là. Ah oui, d'accord, c'est de l'esquive. Ok. Ah, c'est trop stylé ça. Ah, c'est trop marrant. Merde. Ah, je peux pas bouger en fait. Ah merde. Mais je me fais tabasser. Doucement. Attends, on regarde les patterns. Regarde les patterns avant de lui taper dessus, s'il te plaît. Oh. 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 Calmez-vous. 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 Je sais pas ce que je fais. Sa mère la pute. Lancer une Pokéball. Ah oui, oui, oui. On lance une Pokéball. Mais. Ah, mais je suis mort. Non. J'ai raté la Pokéball. J'ai raté la Pokéball parce que j'étais étourdi. Ok. Non, mais par contre, faut arrêter. On m'a dit qu'on pouvait esquiver comme ça. Ok, c'est bon, on peut esquiver, mais il faut être au corps à corps. Ok. J'ai le nœud qui me gratte, Oh, sa mère, calme-toi, Fildrong. La situation est sous contrôle. Mais non, mais tu te fais stun et après tu peux rien faire. T'es nul, mais tu peux le faire. Nye, nye, nye. Mais en vrai, attends, tu peux te faire toucher deux fois alors que t'es étourdi. C'est abusé, ce truc. Ça, c'est abusé.
Ah mais je le touche 0 fois d'ici. Mais attends, mais c'est abusé, je le touche pas. Mais il fait la taille d'un meuble. D'un immeuble. Mais attends, mais pourquoi je le touche pas en vrai? Oh sa mère. Oh là là, mais d'où? En plus tu peux le faire toucher plusieurs fois maintenant. Mais je peux pas sortir! Oh sa mère. Ok, maintenant je sais ce qu'il faut faire là. Hop là! Parce qu'a priori, ok. Ok, lancez une Pokéball, s'il te plaît. Non mais je lance ma Pokéball! Mais j'ai lancé 8 fois ma Pokéball! Attends, mais pourquoi ça marche pas la Pokéball? Attends, mais pourquoi ma Pokéball ne s'est pas lancée sur le Pokémon? Oh oh. Non! Non. Ça sent la merde, les mecs! Esquive, esquive, esquive! C'est quoi ça? Mais d'où sa mère la... C'est trop nul. Mais pourquoi ma Pokéball? Ah, il faut le lancer sur le rocher. D'accord. C'est plus clair. Ok, c'est bon, je commence à avoir le pattern, comme on dit. C'est par où, c'est par où, c'est par où? Ok, par là. Non mais... Chiant, man. Ok, donc là, vous m'avez dit sur le... Non mais attends, mais... C'est super mal fait, je comprends pas. Ah, ça y est. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ok. C'est bon, le one shot. Style puissant, lumineux canon, y a aucune chance qu'il tanque. Hein, genre, au revoir. Au revoir. Au revoir, Seracro, là-bas alors. Ok, il a pas l'air très content que je l'ai tabassé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc ça c'est classique. Oh putain. Non. Oh sa mère. Oh, d'accord. Mais ta mère la pute, je vais où? Il fallait que j'aille derrière, je pense. Gros débilos. Ok, je pense qu'il faut juste que j'esquive en fait dans ces moments-là. Faut pas que je commence à essayer de lui tabasser les... Oh sa mère. L'important c'est de rester calme. Ok, d'accord. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris plusieurs choses. Putain, j'ai compris plusieurs choses, c'est bon. En fait, faut que j'arrête de vouloir l'esquiver. Enfin, il faut juste que je pourrais me concentrer sur l'esquive, en fait. Ok, donc ça... Ça, on esquive, ça, on esquive, ça, on esquive. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ne vous en faites pas. Ok. Ok. Facile. Facile, ok. Okay. Ah oui, parce qu'il enchaîne, ce bâtard! Mais je... Oh, il y a un pattern où tu te fais permastun, en fait. C'est terrible.
Ok. Il fait son rayon laser de sa majesté, là. Ok. Et là, où est-ce que je lance ma putain de Pokéball? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La situation est sous contrôle. Ok, ok. Et après... Non, mais regardez mon... Ah, j'ai le... En plus, j'ai le... Ok. Non, mais par contre, tu... Ouais. Il a reculé. Ok, il a reculé, il fait son méga truc de l'enfer du cul. Non, non, ça va, ça c'est facile. J'ai rien dit. Non, je me suis trompé de touche pour esquiver. J'ai fait B comme un débile. Ok, donc là maintenant il fait son truc de l'enfer du cul. Ok. Il fait ça là, ok. Ok, 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 ok. Ok, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ok. Ok, 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 ok. Le problème c'est que j'ai pris trop de dégâts bêtes. Ah, il refait son laser. Ok, il refait son laser. Ok, 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 c'est bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Faut juste pas que je me fasse toucher, lol. En tout cas, je peux le one-shot avec des lumières canon. Ah, merci Fen. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est plus difficile pour moi de jouer avec la... Merde. C'est plus difficile pour moi de jouer avec ce genre de truc, vous savez bien. Ok, ok, on lui a fait très mal. Il est à 25%. Ok, alors attention. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Ok, donc ça c'est facile à gérer. Ça c'est facile à gérer. Juste te trompe pas. Non. Oh, il fait un combo. Ok, donc clairement là voilà. Je me prends pas la tête avec les lancers de boules pacifiantes, hein, je pense. Peut-être une ou deux là. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Tac, 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 qu'est-ce qu'il fait? Ok, ok, là il faut reculer. Ok, c'est ça. D'accord, c'était ça qu'il fallait faire. Ok, 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 ok. Attention! 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 J'ai survécu! Je peux lancer mon Pokémon, s'il vous plaît, monsieur? Ok, il fait le laser. Ok, ça allait très très vite le laser. Hein. Ok, 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 maybe ça passe. Alors peut-être. Heureusement que le combat est très facile. Heureusement, au moins, le combat est très facile. Oh, sa mère. Allez. Allez, allez. Oui. Il était énorme. Comme pas ma bite. Parce que j'ai un micro pénis, mais. Alors il est toujours énorme, mais il est moins vénère, c'est ça? Oh mon dieu! Quel enfer du cul. Pourquoi mon Hippodocus il est si bas niveau? Faudrait que je lui donne des médocs. Ah putain! Oh! Ça va, on est copains? Ah, il m'offre la plaque glace. C'est gentil. Ok. Eh bah, dis donc. Ah oui, il y a retour des mecs à poil. Il était vraiment immense, hein, c'était impressionnant. Maître Garrett, ne soyez pas triste. Quand je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Seracrawl, est-il vraiment un être humain au fond? Il est quand même tombé du ciel. Oui, je suis Dieu. C'est moi, de type acier. Et bien sûr que c'est un être humain. Mais non, c'est moi, c'est Fildrong. Il a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Je suis le chauve, je ne suis pas humain. Comment t'expliquer? Garrett aime profondément le clan Perle et croit profondément en le grand Sino. Alors sa plus grande crainte, c'est qu'en nous mêlant au clan Diamant, notre dévention pour le gros. Putain, c'est ouf. Vous avez vu, ça a un nom physique
quand tu inverses, j'ai dit notre dévention pour le gros, au lieu de dire notre dévotion pour le grand. Sinon, s'estompe. Mais parfois, les choses changent. Nakara-senpai, yamete kudasai. Grâce à Fifou, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Moi aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givralie et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi, Nakara. Quel espoir, Fifou ! Eh oui, c'est moi. Elle est marrante, elle. Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille. Eh, mais j'ai une question. Si la petite de 12 ans... Si la petite de 12 ans, c'est l'ancêtre de la meuf dans le bois de Pokémon Diamant et Perle, ça veut dire que là, on la voit avant qu'elle se fasse tringler par un fier étalon dans une dizaine d'années. Du coup, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Moi, ça me gêne toujours. C'est, cette image de voir les... De voir les ancêtres, c'est comme voir une photo de ton grand-père bébé, tu vois. Tu dis, ouais, mais après, il a rencontré ma grand-mère, et puis, en avant Guingamp, quoi. Pardon, excusez-moi. Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille. Eh bien, non. J'ai comme l'impression qu'elle a rétréci. J'espère que c'est pas juste une impression. À chaque fois, lui, il fait le regard. Il regarde ses ins ou son cul. Je sais pas, c'est terrible. Adamantin, il faut que t'arrêtes de faire ça. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur Fifou. Oui, d'accord. Ah, mais d'accord. Mais ça y est, moi, je suis le mec qui rend service. Même si on partage pas les mêmes. Comment ça, Nani? Ah, mais non, mais. Ah, allô? Allô? Ah non, mais il y a eu un... Il y a encore eu un... Il y a encore eu un bug de stream, c'est ça? C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Il y a des bugs de stream en permanence. Vous avez rien entendu, on est d'accord. Là, les 5 dernières minutes ont été supprimées, en fait, du stream. C'est chiant, hein. C'est vraiment chiant, hein. Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous êtes pas de mauvais bougres du haut clan Perle. Tu le reconnais enfin? Oh là 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 là. Bref, tous les monarques ont été enfin apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Regardez. Oh, la photo de famille! Salut les mecs. Attends, je peux sortir mes Pokémon derrière ou pas? Ah, mais c'est trop cool en vrai. Attendez, on peut faire... Merde, attends. Regardez la photo de famille de ouf que je suis en train de faire. Merde. Regardez ça. C'est pas trop stylé. Ça fait un peu genre photo finish de fin d'aventure, je trouve. C'est trop cool. Ah, Coatox, on dirait que c'est legit le Pokémon de Garrett, c'est possible. Ok. On va où, là? On va où? Attends, il y a une mission, là. Peux peut-être aller vite fait voir la mission. C'est les Power Rangers. Non, rien n'a été supprimé. Ah non, mais les bugs, ouais. Le type premier degré, ouais. En fait, les mecs, je vous explique, hein, mais évidemment, ça reste entre nous, mais en gros... Si je dis ah, ça a bugué, vous devez dire ah ouais, c'est con, ça a bugué. Comme ça je suis moins gêné, vous voyez ce que je veux dire. Regardez, on est au sommet de la montagne. Ah, pas tout à fait. Attends, mais il y a des trucs dans les... Là-dedans, non? De la neige. Une boule de neige. Regardez comme c'était bien intégré au décor, hein. Vous pensez qu'il y a un truc sur le sommet de la montagne là-bas? Oh, il y a un os d'enfer! Un os d'enfer tout lagué! Incroyable. Regardez l'animation du os d'enfer. Regardez la majestuosité de ce os d'enfer. Regardez ça. C'est beau, regardez. Deux frames. Un, deux. vas-y, attends. On peut peut-être le... Alors attends, il nous faut des plumes balls et il nous faut notre meilleur aim. Ah ouais, ça a l'air complexe, hein. Ok, quand il passe là, il y a moyen de le faire.
Il fait des 8. Il fait des 8. C'est pas bien de mentir. Oh, il ralentit de ouf. Ok. Ça va être très dur, hein. Ok, le play, c'est quand il passe là, je peux l'avoir. Ok. Quand il passe là, je peux l'avoir. Quand il passe là, je peux l'avoir. Genre comme ça, là. Là, je suis bien. Ok, vous êtes prêts? Quand il fait son tour, là? Quand il fait son tour. Ok. C'était peut-être un peu plus bas. Oh, mais on se fait chier! Attends, vas-y. Là, il passe à un moment, il passe. Oh putain, j'ai failli l'avoir. Mais... Ok, franchement, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Mais attends, mais en vrai, je peux pas... Attends, il y a un endroit qui est mieux, là, qui a l'air mieux, là. Attends. Ici, ça a l'air mieux. Ici, ça a l'air mieux. Ok. Là, ça m'a l'air beaucoup mieux, en vrai. Là, ça m'a l'air beaucoup mieux. Ok, attention. 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 Oh, il passe juste au-dessus. Pas du tout, en fait. Il passe pas du tout plus proche, en fait. Attends, si. Et alors, question. Est-ce que je peux lancer une Pokéball en l'air? Alors, oui, mais c'est impossible. Mais comment vous l'avez, ce Pokémon? Ok. Essaye avec le gyroscope. On va l'avoir. Ok. J'essaye encore un peu. J'essaye encore un peu. Excusez-moi, je me suis un peu excité, je voulais m'excuser. Ok. Non, attends, il y a moyen. Oh, mais il me reste que 13 plumes, ball. Ok. Là, il passe devant moi, normalement. Mais pas du... Pourquoi je me... Attends, mais pourquoi j'ai baissé autant? Pourquoi j'ai baissé autant? Il passe, genre, beaucoup plus haut, il passe, genre, là. Ouais, c'était mieux tout à l'heure, hein, on est d'accord. Hein. C'est là que le mieux. Ouais, c'est là le mieux, ok. Bon, bah, c'est là le mieux, quand il tourne là. Putain, mais on se fait chier! Mettez des pouces bleus en attendant. Oh! Est-ce que vous aviez déjà mis un pouce bleu à cette vidéo? Je suis sûr que non. Ok. Les mecs. Paf! Et si, c'était parce qu'en fait, le bon endroit, c'était là. C'est là le bon endroit. Mais oui, c'était là depuis le début. Regardez comme il va s'approcher. C'est là. Bah oui, c'est largement là. S'il te plaît. Ok, c'est là. C'est ici. Non mais c'est ici. C'est ici les mecs, c'est largement ici. C'est ici, c'est là. C'est là, ici c'est ça. Ici c'est là, ici c'est là. Là c'est ici. Ok les mecs. C'était là. Maintenant qu'on sait. L'important les mecs, c'est de rester calme. Il faut s'acharner dans la vie. Est-ce qu'on est des gagnants ou est-ce qu'on est des perdants? On est des gagnants. Et quand on tombe, on se relève. Ok. Je l'ai eu. Oh, la victoire! Oh là là, ça valait le coup de s'accrocher en vrai. Hein. Par contre, du coup... Je vois rien. Ah mais non, mais je suis pas au bon... D'accord, super. On voit bien. C'est bien, on voit bien ici. C'est sympa. Sympa ce jeu. D'accord, super.
Mais attends, mais... Je vois absolument R. Je vois R. Le mec, il veut prendre que ça. Ok. Oui. Ah, le chapeau. Bon, alors, il y a une mission ici. Ah bah non, il faut juste rentrer. T'as capturé 19 Pokémon. Hey, et plein de barons, hein. 3 petits barons capturés, ça fait plaisir. Non, non, j'ai été déterminé et j'ai réussi. Franchement, j'ai réussi et on peut être fiers de nous. Voilà. Allez, on va annoncer ça à Cormier. Tempête de sable dans la neige, ouais. Attendez, il faut que je... Est-ce que je peux craft des plume balls? Ok, bon, j'ai tout craft, hein. Franchement, les envol balls, c'est incroyable, c'est trop puissant. Oh, il y a une meuf, là. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Attends, il a plus de produits en stock. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est très suspect. On y va. Des barons qui méritent pas. Des barons capturés de loin, comme un gros lâche. Tu veux plus de place dans ta sacoche? Oh là là, mais toi, je vais faire plus de place dans ton anus tellement t'es casse-couille, quoi. En plus, il sait qu'il te raquette et puis à chaque fois, il te redemande. Bonjour, monsieur Cormier. Alors, tu vas me faire une prise de judo? Tous les monarques qui étaient enragés, tous les monarques enragés sont apaisés. Mais aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela se produit. Je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Et dire que c'est un inconnu tombé de la faille spatio-temporelle qui a parvenu à ramener la paix à Issui. Mais j'ai fini le jeu ou quoi? Ah non. Des noms ou... Ah, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose là, genre maintenant. Ah non. C'est... Bientôt il va se passer quelque chose. Bientôt il va se passer quelque chose. Ok, vous allez voir. Sur la cam, on dirait que t'as un ventre de 3000 kilos. Bah, c'est parce que je suis en arrière de ouf, ouais. Ah non, mais c'est parce que... oui, c'est l'angle. En vrai, je suis comme ça. Mais j'ai la flemme de me lever. Je préfère être écrasé comme un gros patapouf. Apporte d'autres plats de patates. Non, mais j'en ai marre de manger tes beignets. Oh, l'arty. En apaisant tous les monarques, nous avons dissipé une importante menace. Nous allons pouvoir effectuer nos recherches sans autre crainte que celle des Pokémon sauvages. Seracrawl n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser. Mais je dois bien admettre que tout le monde allait rassurer désormais. Si Vivou n'était pas arrivé ici, les monarques nous auront peut-être attaqués. Eh oui. Qu'est-ce que concrètement ce que cette faille spatio-temporelle? Et surtout, que devrions-nous faire pour qu'elle disparaisse? Si elle disparaissait, tu ne pourrais pas plus rentrer chez toi. J'imagine. Mais moi, je suis bien ici, en vrai. Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Ah, je suis chez moi. Dès demain, on reprend le travail. Il faut compléter le Pokédex. Oh! On s'en fout du Pokédex! Faisons le plein d'énergie avec un bon repas. J'en ai vraiment ras le cul de manger des beignets de patates. Ce soir, j'ai mangé du poireau. Avec des pommes de terre. Avec des pâtes. Pourquoi je dis des pommes de terre? Quoi? Allô? Bon. Vous inquiétez pas. Et là, on peut faire un... merde. Je voulais m'excuser officiellement envers toute la communauté qui a dû supporter ceci. Broum, donc. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? De brusques changements. Oh là là, c'est terrible. C'est trop calme. C'est un peu trop calme. Vous savez que je me suis fait mal en faisant ça. Oh! Incroyable! Regardez les textures dans le ciel, on dirait Zygarde. Ok. Je suis fou. Oh oh, je crois que je les ai plus énervés qu'autre chose. Oh. Il est temps que je mette ma veste. Oh, il a l'air inquiété là.
Ok. Tu changes un peu ta team? Je pourrais mettre des barons en vrai, mais bon. J'aime bien garder la même team, moi, tu sais. Le ciel est totalement rouge. Le ciel est rouge dans la nuit. Poète qui s'enfuit. Apéritif. Non, mais c'est vrai que je fais aussi des haïkus hein, de temps en temps. Vous voulez que je vous fasse un haïku? Ok. Communauté salée. Paix mouillée. Brindibou. Franchement, hein. Je vous avais caché ce talent. Je vous en fais un dernier quand même. La porte s'ouvre. Merde, il n'y a aucun rime en ouvre. Attends, rime en ouvre. Rime en ouvre. Oh, il n'y a pas de rime en ouvre. Ah si, il y a découvre. La porte s'ouvre. Tout se découvre. Sac de voyage. Celui-là, il est legit bien. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Oh, je fais des haïkus en vrai. Hein. Ce ciel menaçant ne laisse rien préjuger de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques. Il y a affaire plus urgente à régler. Le soir même où Fifou est tombé de la faille, un étrange éclair a frappé. Achécateur et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Fifou? Je suis un chercheur. Tu as rempli tes missions, je ne peux le nier, mais cela ne nous dit pas qui tu es. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés. C'est moi, depuis le début, je suis le méchant! Tu cherchais seulement à apaiser notre gagner notre confiance en les apaisant. Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Je vais tous vous tuer. Et puis c'est impossible qu'il ait des pouvoirs pareils. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'il est totalement innocent? Regardez cette face de l'innocence que j'ai. Il est tombé de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver... Attendez, c'est vrai que je suis tombé de la faille spatio-temporelle. Deux secondes. Qui peut nous prouver qu'il n'y est pour rien? Mais comment vous voulez qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter de lui? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous attendez de Fifou? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de ressuscité. Eh, mais nique ta race, Cormier, j'ai fait tout le travail depuis le début. Putain, mais ça, c'est vraiment dans Pokémon. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter Fifou si froidement? Vous ne le croyez donc pas? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du... Mais exprime-toi, Fifou! Mais je me mets à la place de Fifou! Mais nique ta race, Cormier! C'est moi qui fais tout le travail! Et je fais 2 mètres! Tu vas faire quoi? Pardon, excusez-moi. J'ai changé. Il est de mon devoir de prendre cette décision. Mais moi, je supporte pas l'injustice. Estime-toi heureux que je ne sois pas emprisonné. T'as été banni du village? Mais pourquoi? Pour rien? Pour rien? J'ai été banni pour rien? Ok. Allons-y. Ah, c'est trop triste en vrai. Ah, attends, je peux rester. Par ici. Eh non! Chez! La 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 la! Non. La 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 la! La 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 la! Ouais, regardez, elle me regarde en mode... Non mais c'est abusé, c'est hyper triste, attends. Peut-être que si je me cache derrière la remorque... Non, elle me voit partout! Oh, elle me suit du regard. Oh, elle sait où je suis. Par ici, par ici. Mais parlez-moi! Mais je vous ai... Mais bande d'ingrats! Attends, je vais la bloquer. Je n'arrive pas à y croire. Mais aide-moi! 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 Toi, là! Toi!
Aide-moi, étoile. Aide-moi. Mais vous pouvez pas. Mais je... Je vous ai aidé, j'ai sauvé le village. C'est comme si on bannissait Naruto. Attendez, je peux peut-être... Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Je m'en vais, je m'enfuis, c'est bon. Non. Oui, je suis coincé. Elle me voit. Arrête. Pas étonnant de la part d'un inconnu. Tu m'as déjà vu tourner. T'as déjà vu ma pose comme ça là. Hop là. Tu vas faire quoi là? Je te mets un coup de chapeau là. Est-ce que je peux accéder à ma boîte? Pas du tout. Non. C'est ici que vous devez vous séparer. Mais mec, putain, on est potes. Je sais. C'est moi qui ai engagé cette personne. Il lui demande de ma responsabilité de le raccompagner. Mais c'est pas possible. Je viens avec vous et moi aussi. Oh, c'est mes potes. Vous avez mon autorisation. J'ai noté votre destination, soyez prudent. Lui, il est triste que je sois banni. Merci. Ah, la musique en plus là. Non mais attendez, mais ça va pas se passer comme ça. Je vais revenir. C'est hyper triste en vrai. Notre dirigeant est vraiment cruel. Tu ne faisais qu'obéir aux ordres. Fifou est peut-être tombé du ciel, mais évidemment ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir de le rendre rouge. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. Mais oui, le seul fondement que je vois, c'est le gros cul de Cormier. Pardon. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Fifou. Si vous essayez de le défendre, vous vous attirez des problèmes. Oh, Luciel est trop triste. Certaines personnes te sont redevables, comme Adamantin et Nakara. Mais oui, c'est vrai, tu pourrais peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant. Mais Adamantin et Nakara sont déjà retournés dans leur hameau. Nous pourrons peut-être essayer d'aller voir Elion. Il devrait être à l'arène du Grand Arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour poursuivre tes recherches. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Merci, Selena. Ce rêve dont je t'ai parlé, sans toi, il ne pourra jamais se réaliser. Ouais. Toi, tu penses juste à ton Pokédex de merde, hein. Nique ta race. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Putain, mais en plus, c'est stylé, parce qu'avec l'ambiance et tout, c'est assez cool, je trouve. C'est assez lourd, là, comme ambiance, mais en mode lourd, tu vois, lourd legit, quoi. En mode, ouais, c'est pas ouf ce qui se passe actuellement, quoi. Par contre, pouvoir voler, c'est la vie. Non, mais toi, mais qu'est-ce que tu fous, là, toi? Bon. Merci. Allez, on sprint. Tu peux pas détruire le village avec tes barons. Mais en vrai, j'ai trop envie de faire un... J'espère que... Oh, il y a un étouraptor ici. C'est un baron ou pas? Je savais pas qu'il y avait un étouraptor ici, c'est trop stylé. C'est pas un baron. Putain, mais vas-y, en vrai, ça me fout le seum pour mon personnage, en vrai. C'est terrible ce qui se passe. On dirait Pokémon Donjon Mystère, là, quand tout le monde pense que je suis méchant. Mais c'est ultra... Alors que je passe ma vie à leur rendre service. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai rien fait! T'as vu la taille de... Si des éclairs ont tombé, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. C'est la panique au clan Perle. Mais j'y peux rien, connard! Un inconnu qui tombe du ciel, ça ne pouvait être qu'un mauvais présage. Mais mec, t'as 9 ans. Je pourrais t'écraser, ok, avec mon poing, là. Avec ton petit chapeau, là. Je te rentre dans le chapeau, là, ok? Calme-toi.
Comment tu veux que je me calme? N'essaie pas de faire semblant de te montrer rassurant. Beaucoup te connaissent au clan Perle, certains te comprennent, mais il y en a d'autres qui ont peur de toi. Mais à chaque fois qu'on vient du futur dans un putain de jeu Pokémon, ça se passe mal. Moi, ça va pas se passer comme ça. Je vais arriver là. Comme ça, j'arrive. L'autre jour. Comme ça, j'arrive. Merde, comment on remet? Ah merde. C'est contrôle, je crois. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi. White Drong à l'attaque, hein. Du coup, j'ai galéré. Ok. Je voudrais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Shaketer, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Une maison? Peut-être que Risa voudra bien t'aider. Izu et Siva, je suis sûr que toi aussi, tu finiras par trouver ta place. Oh, mais maintenant, je dois aller voir Risa. Attends, mais lui, il me propose de jouer... il me propose de jouer au ballon. C'est quoi l'ambiance, là? Ça va? T'as compris l'ambiance ou quoi? Putain, heureusement qu'on vole à ce stade-là du jeu, hein. Oui! On peut quand même capturer des Pokémon, mais on doit pas pouvoir rendre les trucs, je pense. Risa! Risa Hawkeye! Sauve-moi! Eh mais attends, je suis jamais allé là, je crois. Ah oui, il y a une zone que j'avais jamais fait ici. Mais c'est pas le moment. It's not the moment. Le scénario appelle. Le ciel est vraiment inquiétant. Sauve-moi! C'est pas étonnant que tout le monde perde un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et j'en sais rien, moi! Je suis juste... J'étais tranquille, en train de me branler sur un hentai dans ma chambre. Je me retrouve du jour au lendemain dans un putain de passé Pokémon. Vous me dites, oh bah maintenant tu vas sauver le monde, je sauve le monde et vous me virez. Eh bah super, super, merci hein. C'est bien, oh oui, dans le passé, les gens, la solidarité. Eh bah mon cul, la solidarité. Merde. Tu n'as plus le droit de retourner à la rusticité. Mais j'ai bien peur que le clan Diamant ne puisse pas te venir en aide. Mais baisez-vous quoi. T'as pas envie d'être responsable d'une guerre? J'aimerais bien pouvoir t'aider. Non mais je vais... Ne perds pas espoir, le temps résout tous les problèmes. Eh mais ta race? Non mais c'est méga triste! Oh. Mais c'est hyper triste! Oh, un petit Luxi. Et là, il t'attaque. Ce serait tellement marrant qu'il t'attaque. Et que tu tombes dans le lac. Oh, c'est vraiment mignon, en vrai. Oh, mais l'important, c'est les Pokémon. Oh, oh, je vais être recueilli par une meute de loups. Je vais être recueilli par une meute de loups comme dans les dessins animés, comme Tarzan. Non, Tarzan, c'est cheat. Comme Mowgli. Mowgli, c'est les loups. Oh non, il y a Percupio. Toi, alors, on dirait que t'as un don pour attirer les événements étranges. Ah, voilà Percupio, c'est mon pote. Content de te voir, Fifou. 100% c'est lui le méchant de merde, là. Je te cherchais. Je voudrais quand même pas perdre un bon client. Mais toi, t'es suspect, mec. Je suis au courant de tout. Un bon marchand doit être toujours à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy t'a expulsé. Tu n'es pas le bienvenu chez les clans Diamant et Perle. Mais ne t'en fais pas, il reste encore des lieux à Isui que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi, laisse-moi faire. À la prison ou... Et voilà, nous y sommes. Trop bien, petit camp. C'est pas le grand luxe, mais entre nous, a-t-on vraiment le choix? C'est gentil, Percupio, je retire ce que j'ai dit sur le fait que t'étais sus. Oh, je suis dans un petit hameau oublié. Mais c'est si mignon. Je te surprends encore en train de musarder. Et même sous un ciel pourpre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de voir penser à... Oh là là, oh là là, le scénario arrive à toute vitesse. Désolé, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour étudier les mythes et les légendes de Isui. Qu'importe. Oh, elle est trop... Elle est stylée de fou.
Qui est... C'est la nouvelle waifu. Qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur lui récemment. Son nom est Fifou, c'est lui qui a apaisé tous les monarques. Je me souviens, tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Votre destinée? Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Rien de tel qu'un jeune homme qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. J'ai beaucoup à t'enseigner. Entre donc dans ma demeure. Sympa chez elle. Pour une tante. Connais-tu la vraie nature de la faille spatio-temporelle? Il s'agit d'une brèche qui nous relie à une multitude de distorsions. C'est aux confins de l'une d'elles que se trouve le grand Sino. Celui du clan Diamant? Une aile gauche s'éploie du passé au présent, une aile droite s'éploie vers les quatre vents. Comprends-tu cette métaphore? L'aile gauche, c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace qui s'étire dans toutes les directions. Tu l'auras compris. Mais moi aussi, je peux faire des poèmes. Chaussures noires. Chaussures grises et rouges. Revolver. Les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seul... J'ai rien d'autre à dire hein, sur mon poème, c'était magnifique. Là, normalement, vous êtes tous... Je regarde pas le chat, vous êtes tous en train de pleurer dans le chat tellement c'est beau. Penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout, comme le prétendent le clan Diamant et le clan Perle? Non, c'est impossible, ils sont inséparables. Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, ça semble une évidence. À présent, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Et là, regarde, trop triste, trop sympa en vrai. À Issus se trouvent trois lacs, le lac Vérité, le lac Courage, le lac Savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon. Oh, on va avoir des légendaires! Va à leur rencontre et réussis les épreuves! Ça va être trop cool! La chaîne rouge qui devrait te permettre de lier le monde. La chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille. Épargne-moi ce regard, la légende veut que lorsqu'une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac puis aux ruines. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens récits, leur véracité est du ressort de mes ancêtres. Quelle indignité! Merci Sarkozy, tout de même, de remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes. Maintenant que tu as connaissance de cette tâche, es-tu prêt à mener cette mission? Impossible. Tu dois croire en toi, Fifou. Comment cela impossible? Qu'en est-il des personnes qui... des Pokémon qui t'ont soutenu jusqu'ici? Vous voulez qu'on parle des personnes qui m'ont soutenu, hein, jusqu'ici? Hein? Il y a un mec, il m'a viré du village, et ensuite, les mecs dans le village, ils ont dit quoi? Ils ont dit... Je savais qu'il était suspect. Je savais qu'il était suspect. Comment ça, soutenu? Les Pokémon, je veux bien, mais... Leur sort ne te... Ok, le sort des Pokémon... Allô? Oui, bonjour, c'est encore Henri de chez Carglass. Est-ce que vous saviez que ta gueule... Et l'air de pâturage. C'est un souci. Ab. Ah, le Abra va téléporter mes Pokémon. Trop bien, on va faire les épreuves des trois lacs. Abra se serait téléporté ici. Trop fort cet Abra. Il tient une lettre. Vous lisez la lettre. Tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es celui possédant le plus de talent. Je compte sur toi. Selena. Mais Selena, c'est... Selena, c'est l'abeille. Selena Bay, quoi. Elle a l'air sérieuse et tout, mais elle est trop gentille. Percupio, toujours en pleine affaire. Oh, vous êtes mes potes, ça y est. Je suis retourné au hameau Diamant pour rassurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. On peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Galaxie en pâtiront. En gros, on va t'aider, mais discrètement. Nakara ou moi? Très honnêtement, je... Nakara ou Adamantin? En vrai... Nakara ou Adamantin, en vrai? Bon, en attendant, on va... Vous m'aidez à choisir Nakaru ou Adamantin, d'accord? En attendant. Je vous dis pas qui je préfère,
Mais moi j'en ai un que je préfère. Oh, j'ai une pierre nuit, nice. Nakara, adamantin, Nakara, adamantin, Nakara, 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 ok, d'accord. Ok. Moi j'étais pour adamantin en vrai, c'est moi que tu vas choisir, c'est moi qui t'ai apporté. Ah oui d'accord, tu peux choisir une meuf. Meuf, je te choisis. Moi je préfère adamantin, mais bon, vous avez voté. Tu le regretteras pas. J'étais pour adamantin en vrai, hein. Il ne veut pas de toi. Non mais n'importe quoi, il m'a pas choisi parce qu'il me fait confiance pour la tâche la plus compliquée. Surveiller le vieux cormier. Exactement, ouais, exactement, ouais. Adamantin, c'est toi mon... C'est mon Husbando. C'est mon Husbando. Le lac, mais lequel? Il y en a trois. Bon, allons-y. On se retrouve au lac, les mecs, c'est parti. Fifu Nakara, je compte sur vous. En vrai, il n'y avait pas trop de scénarios jusqu'à présent, mais là, ça devient assez... Enfin... Pour du Pokémon, ça devient, je l'avoue, ça devient cool. Et je m'attendais pas du tout à ce que je me fasse virer, quoi. Donc, j'avoue que j'apprécie. J'apprécie pas mal, en vrai. Je prépare des balls. Mega Mass Ball, j'en ai plus beaucoup. Putain, des super balls, il m'en reste que 27. Oh là là, je dépense tout mon argent, mais bon. Et peut-être des potions aussi. Ah, les potions, ça coûte beaucoup trop cher. C'est hors de question que je mette tout ça. Après, je peux en craft des potions, non? Attends, je peux peut-être en craft des potions. Ah, il me faut des plantes PP, mais elles sont dans mon sac, donc ça va en vrai. En vrai, je peux, hein, je peux crafter des trucs. Il me faut des plantes PP. Attends, il faut que je sorte les plantes PP de mon sac. C'est où les plantes PP? Plantes PP, plantes PP, plantes PP. Plantes PP, plantes PP, c'est là. Ok. On y va, let's go. C'est parti. On commence par le lac Jean-Pierre. C'est parti. Tu streams jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h en gros. Besoin d'acheter des objets ou de changer de Pokémon? Alors attends. Est-ce que mes Pokémon sont soignés? Normalement oui, ok. Bon bah on y va hein. En vrai, c'est stylé de ouf, là. Je trouve l'ambiance, elle est vraiment... C'est con, hein, que le jeu ait des problèmes. Regardez le rocher qui apparaît au dernier moment, mais... Mais franchement, c'est... L'ambiance est réussie. Vraiment, hein, je trouve. J'apprécie beaucoup, là, ce moment du jeu, en tout cas. Je tiens à le dire. Parce que je dis le négatif comme le positif. Et là, je trouve vraiment que c'est un... C'est un moment très... très positif. Oh, il y a plein de déviators maintenant. Sauvegarde. Oui, on va sauvegarder. Ah bah non, on va pas sauvegarder. L'histoire de ce lac est assez curieuse, tu la connais? On dit que dans les temps anciens, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité se serait formée et se serait remplie d'eau, créant ainsi le lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfolet. Tu sais, on dit que quand il s'est mis à voler, les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. Allô? Oui. Vous avez bien commandé une pizza à ce numéro? Ah oui d'accord, j'ouvre avec mon smartphone. Il n'y avait rien et une caverne est soudainement apparue.
Ce serait donc grâce au Smarcius dont le professeur parlait? Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur de cette caverne? Pensez à dit que pour rencontrer le Pokémon, nous devrons prouver notre force. On va devoir se tabasser! Bon, on sauvegarde. Allez, c'est parti. Et c'est parti! L'atmosphère est vraiment pesante ici. Ah! Sérieux? Un Pokémon a l'air inquiétant, se tient au milieu de la... Courage, Fifou! Attends, mais je... Hein? Ah oui, en plus... je peux pas lui lancer une Pokéball, on est d'accord. Ah! Alors, c'est quoi mon meilleur Pokémon pour gérer un dragon... Dragon machin? Plume dans le cul, close combat? Allez, let's go. Bonjour monsieur! Vous avez l'air agressif! Ah, peut-être qu'il faut que je le vainque. Celui-là, je dois le vaincre ou je dois le capturer en vrai? Oh, la musique est trop cool. Oh, ça va, il est niveau 58, il est aux F-tiers. Mais attends, mais close combat, je vais le tuer. Je peux peut-être faire close combat style rapide. Je vais faire close combat style rapide. Le tue pas, hein. Ok, parfait. Les dégâts sont bien. Oh, mur fumigène. Alors, ça fait quoi, mur fumigène? Ah, ça booste, ça dé... Oh, mais attendez, mais je peux faire un... Je peux faire un deuxième close combat rapide. Et là, il a boosté sa défense, donc il va tanker, on est d'accord. Mamma mia, comme c'est stylé. Par contre, ouh, sa mère, il m'a fait mal. Parfait. 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 Bon, par contre, il a une drop pump, ça fait mal. Ok, j'ai raté la cage éclair, évidemment. Normalement, je devrais pouvoir tanker l'autre attaque. Ah, mais c'est pour ça que j'ai raté. Oui. Allez, cage éclair. Ok. Sois paralysé, là, pour que je puisse... Ok. C'est parti! B plus bas! B plus bas de toutes mes forces! De toutes mes forces, là, j'ai dit! Parfait. C'est étrange, en te voyant combattre, j'ai la sensation qu'ensemble, les Pokémon et les êtres humains pourraient surmonter n'importe quelle difficulté. Vous ressentez une étrange présence. Oh! J'adore faire ça à chaque fois qu'il fait cette tête. Je vais peut-être me soigner parce que je sais pas si... s'il faut que je le tabasse, attends. Hop. Contre Créfolé, c'est quoi mon meilleur Pokémon? Patrick Kader? Ouais, Patrick Kader me semble pas mal. Ok, on sauvegarde et on y va. Bonjour. Tes émotions, montre-les-moi. Oh, oh, arrête, non, je vais devoir dire la vérité. Mon chat me saoule. Ils ont tous 12 ans. Ils sont tous débiles. Mais non, j'adore ma communauté, c'est faux. Ah, je les déteste. Allez. Ça doit être émouvant de parler avec un Pokémon de cette manière. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée en Hisui. Ok, ok, ok. Ah, ah, le jeu est moche. Ah, c'est quoi ce clip? Non, 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 il est incroyable le jeu. C'est complet, c'est fou vraiment. C'est vraiment une nouvelle formule pour Pokémon. N'écoutez pas ce que je... Ah, ah non, le jeu est horrible. Ça gâche toute l'expérience. Et en plus, il y a de la musique une fois tous les quarts d'heure. Ah. Je me fatigue.
Ok. De la confusion. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. C'était rassurant. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec les camps Diamant et Perle. Le monde est grand. Comme les bites sur ta tête. Dis-moi ce que tu as senti lorsque le groupe Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. Bah c'était frustrant de fou. Faut arrêter, je veux dire, je me fais victimiser. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Ah bah il est sympa lui. C'est bien aimable. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, une aile de Créfollet. Ça ressemble à une lettre à la poste. Ah, trop marrant. C'est une lettre. C'est littéralement une lettre. Attends, mais vous voyez une aile, vous ? Moi, je vois une lettre. Oh ! Cré. A plus sous le bus. A demain sous le train. A ciao dans le métro. Tu parlais avec ce Pokémon. Tout ça est bien étrange. Mais enfin, pour toi qui es tombé du ciel, j'imagine que c'est presque normal. Il nous reste plus que le lac Courage et le lac Savoir. Allez, let's go! Pourquoi il a des cheveux, ton personnage? Oh, je l'ai fait le plus chauve possible. Hein. Il n'y avait pas de cheveux. Alors, calmez-vous. Hein. Il semblerait que tout se soit bien passé, tant mieux. C'est impressionnant tout ce que tu sais, Percupio, mais j'imagine que c'est normal pour un vendeur ambulant. Oh là là! Oh là là! Suspect, suspect! Alerte rouge! Alerte rouge! Oui, oui! J'adore me demander dans quelle mesure les événements du passé ont façonné le présent. Ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens. J'aimerais tant savoir tout ça. Je sais bien que ce sont mes ancêtres qui ont bâti le hameau Perle et qui sont installés ici. Pourtant, j'ai encore jamais vu le Grand Sinnoh. Ce sont des questions cruciales en effet, mais malheureusement le temps presse. Et si nous retournions voir Pansea ? Allons-y. J'ai hâte d'entendre ce qu'elle va dire. Oh, Samir. Le scénario est claqué au sol. Moi, je... Peut-être le scénario, il y a... Mais j'aime bien l'ambiance. Car tu es bon, plus grand que plus grand que plus grand que... C'est vrai. C'est malin. Que vois-je ? L'aile de Créfollet ? Les gens disaient donc vrai. Alors la chaîne rouge doit être bien réelle. Pensez à... Comment... La musique est vraiment réussie. Hein. C'est très discret, mais je la trouve vraiment réussie. Comment est-ce que ces Pokémon qui représentent notre esprit peuvent utiliser la chaîne rouge pour lier notre monde? Je constate que tu poses les bonnes questions. Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien. Sans esprit, cette compassion... Sans compassion, qui se soucierait de cette faille qui s'agrandit et de la fin du monde qu'elle provoquerait? Ouais, je pense que même le pire connard de la Terre en a quelque chose à foutre du fait que tout disparaisse, tu vois. Juste parce que lui va disparaître aussi, mais bon. Ce monde existe, car par notre âme, nous avons conscience du temps et de l'espace. La chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Que l'esprit est né avant notre monde, ou alors c'est l'inverse? Je comprends rien. Ce sont des mythes qui nous inculquent les valeurs de ce monde, d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si tu veux comprendre la nature du Grand Sinnoh et ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison, les mythes sont mystérieux, mais c'est ça qui les rend absolument fascinants. Encore deux lacs. Oh là là, il est suspect. Tu sembles bien enthousiaste pour un amateur de ruines. Serait-ce un excès de confiance ou une trop grande nonchalance? Il est suspect, il est suspect. Percupio, il est suspect. Allez, on y va. Où est-ce qu'on va? Bah là. Aux terres immaculées. Allez, en avant. C'est niveau donjon mystère le scénario. Ouais, c'est ça, c'est un peu... Genre, il y a un scénario, tu vois. Et c'est déjà pas mal, je te dirais. Oh, mais j'ai des nouvelles missions, là. Mais si je vais au hameau Perle, est-ce que je vais pouvoir monter? Attends, mais j'ai une mission à prendre ici. Non mais c'est une blague. Tu vois pas que je suis en train de faire autre chose là? Genre... Qu'est-ce qu'elle veut elle? Tu fais partie du corps des chercheurs. Vous faites des recherches sur les Pokémon. Alors... Mon Grelasson, oui.
Ça ne va pas du tout, vous allez tous finir en savoir plus que moi sur le glaçon. Mes connaissances sur ce sujet et l'amour que je lui porte sont sans égal. Ah ouais. Bah, je pense que j'ai la... Ah non, ok. Bon bah il y avait Spacia qui voulait se la péter. Mais est-ce que je peux monter Ça va être compliqué, non? De monter là. Ouais non, je dois y aller avec Farfuré. Alors là, lis pas trop le chat, les gens s'amusent à spoil la fin de... Ouais, non mais t'inquiète, j'ai des années de stream d'expérience, ne t'inquiète pas, je ne suis pas en train de... Je ne lis pas le chat. Je vous inquiétez pas. Je sais que c'est dommage, mais dans ces moments-là, je lis pas trop le chat. Oh, il y a un guerrier de Issui tout en haut là-bas, j'avais pas vu. C'est trop stylé. Attends, mais il faut que je le capture. Non, mais attends, j'ai pas que ça à foutre là. Attends, lâche-moi la bite deux secondes là que je gère. Enfin, peut-être en me mettant sur la plateforme là. Je suis sûr que je peux avoir le guerrier, non? Il est où? J'ai vu un guerrier, on est d'accord, hein. J'ai pas rêvé. Oui, il est là. Ok. Ah ouais, il est... ok. Ah, il descend. Ok. Il faudrait que j'arrive à... Pensez qu'il y a moyen d'arriver en haut du temple. Non, ça semble pas par là en tout cas. Ça a l'air un peu compliqué hein, là. Il y a un caillou shiny, ouais, c'est ça. Peut-être de l'autre côté du temple. Je vérifie deux secondes. Hein. Parce que là, il y avait la plateforme, mais je crois que la plateforme était plus... ok, ouais, non. Bon, c'est pas grave. Allez, on avance. Merde, je peux pas aller plus loin. On fera ça une autre fois. Là, on a des trucs importants à faire. De toute façon, j'explorerai toutes les autres zones. Hein. Bonjour. Nous voici au lac Savoir. D'après certains dires, il serait constitué en partie d'eau de mer. On ne sait pas trop si c'est dû au relief ou au Pokémon. Le protecteur du lac est Créelf. Tu sais, quand on dit que c'est quand il a pris son envol que les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes. Ah bah clairement, j'étais pas au courant parce que vu comment je suis fort pour les puzzles... Allô? Oui, bonjour! Oui! C'est moi! Raij! Allô, c'est moi, Raij! Je connais pas de Raij. Oui, mais si! Tu me dois 20 euros, fils de pute! J'arrive à Neuilly, là, pour t'éclater ta race! Cet objet est prodigieux. Eh oui. Allez, on y va. J'ai des frissons, j'ai comme un mauvais pressentiment. Oh ! Trop stylé. Le baron. Alors attends, comment on gère le baron en vrai? Je pense qu'on peut mettre moule bas. Allez, let's go. Zoroa! Ah, j'ai pas sauvegardé par contre. Moule bas, vas-y, en avant. Ok. C'est donc ça le fameux cœur de rancœur. On va le paralyser d'abord. Le problème c'est qu'après... Ah, attends mais... Oh par contre... ouais.
Allo, allo, j'écoute comme on dit. En vrai, je pense tonnerre, il va prendre vraiment très très cher. Prend beaucoup trop cher même. Il m'a gelé. Plume dans le cul, il est immunisé à cœur de rancœur. Le problème, c'est que je peux pas vraiment l'affaiblir plus, j'ai peur de le tuer. Qu'est-ce que j'ai comme attaque qui va pas le tuer? Parce que en vrai, les hyperboles, là, c'est un peu chaud. Il a une résistance poison. Je pourrais mettre Pia de Panda et faire un... Ouais, je peux faire ça. Je peux mettre Fiat Panda et tenter un direct toxique style rapide, pas très efficace. Je pense que je le tue pas en faisant ça. Style rapide, direct toxique. Est-ce que ça va le tuer? J'espère pas. Ok, parfait. Non! Oh, j'ai une chance de le capturer. Oh non! Oh putain, j'ai une chance. Par contre, ok. Allez, rentre dans la Pokéball. C'est ta seule chance de survie. C'est ta seule chance de... Oh, tja, tja. Oh, nanani, nanana. Tata. Oh, c'est bon, putain. Heureusement que le B+B Nakamura, quand je l'invoque vraiment en y mettant du cœur, ça marche. Le Pokémon maudit Reynard. Quand j'étais petite, on nous racontait que c'était un Pokémon qui débordait de rancœur. Vous ressentez une étrange présence. Oh! Pardon. Ah merde, je me suis pas soigné. Bon, ça devrait aller. J'évalue les connaissances. Approche. Lui, il a une voix d'ordinateur. Alpitrini, Nosfera, Ptizarbi, Magneton, Terraclop. Combien ont-ils dieux? J'ai pas lu. Peux-tu répéter? Ouais, merci. Apitrini, il en a deux. Nosfera. Alors, 2, 0, 1. 2, 1. Ok. 2, 0, 1, 2, 1. 2, 0, 1, 2, 1. 2, 0, 1, 2, 1. 2, 0, 1, 2, 1. 2, 0, 1, 2, 1. 2, 0. 1, 2, 1. Mais attends, mais Magnézone, il a deux yeux? Il a deux yeux ou? Parce qu'il a des petits Magnéti. Apitrini, il a six yeux? Deux yeux, Apitrini? Comment ça, deux yeux à Pitrini? Attends, c'est vrai? Pourquoi je me rappelle pas d'Apitrini de... Peut-être parce que c'est un Pokémon aux F-tier. Apitrini. Ah, mais oui, d'accord, ok, oui, bah oui, je suis con. Bien vu. Donc 6-0-1-2-1. Ok. Effectivement. Merde. Ah mais Magnézone, j'avais l'image, il en a trois des yeux. Donc 6-0 6-0-1-3-1 6-0-1-3-1. Voilà. Oui, oui, d'accord, mais je suis con, je l'ai dans mon équipe en plus. Je doctroie une part de moi-même. Ah, c'est gentil. Oui, 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 oui. Ah, mais c'était Magneton. Moi, j'ai vu Magnézone et j'ai vu trois yeux. Parce qu'il a un œil au-dessus, là. Pourrais-je plus qu'un? Ben non, il a trois yeux, Magnézone aussi, regardez. Non mais d'accord, ok. Ok, j'ai compris, mais Magnézone aussi, il a trois yeux, regardez. Vous voyez ou pas? Il a trois yeux aussi, Magnézone.
Il a l'œil au centre et les deux yeux sur les côtés. Donc Magnézone a autant d'yeux que Magnéton. J'ai juste mal lu, mais au final, ça changeait rien. C'était le... Fallait pas lire le chat. Oh non, j'aurais pas sans doute pas galéré. Si vous me spoilez, c'est chiant plus qu'autre chose, mais bon. On dirait que tu t'es encore bien débrouillé. Eh oui. Pourquoi ne nous donne-t-il pas directement la chaîne rouge? Ils veulent peut-être nous tester pour savoir si on a de bonnes intentions. Je vois, ils ne veulent pas risquer de la laisser entre de mauvaises mains. Qui sait ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Dans quel autre but on pourrait utiliser la chaîne rouge? Peut-être que son utilité ne se limite pas à lier le monde. La chaîne rouge est encore un mystère pour nous, tant comme cette situation. Allons-y. Le truc rouge, c'est pas un œil, Magnézone. Comment ça? Un quoi? Bah, Magnézone, il a trois yeux. La griffe de Créelf, il s'en dégage une certaine chaleur. Je me demande si quelqu'un d'autre a déjà accompli les épreuves des lacs. Nous devrions peut-être plutôt nous dépêcher, ça sent le roussi à rusticité. Que veux-tu dire par là? Un Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Jinko m'a dit que Cormier a formé un groupe, non pas de recherche, mais d'assaut pour pallier toute éventualité. Tu en parles comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition, mais si un Pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passera-t-il? Allons chercher le dernier objet. Ok. Rendez-vous aux ruines brumeuses. Ok. Alors attends. Un œil, deux œils, trois œils. Il y a trois œils sur Magnézone. Regardez, il y a trois yeux. Voilà, il y a trois yeux. Arrêtez de me casser les couilles. Ma team est soignée ou pas? Ma team est soignée. Où est-ce qu'on va? Allez, on va dans le marais salon. Ah bah ça tombe bien, on peut aller au Mahomo Diamant et on est juste à côté. Allez, on va au lac Courgette. Est-ce qu'il y en a qui ont la ref? Sûrement. C'est bien celui-là, c'était facile d'y aller. Oui! Le lac Courage. Certains disent que comme le lac Vérité, il serait apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontent qu'un affrontement entre un Pokémon aurait creusé le lit du lac. Le protecteur du lac est Crefadet. Ouh, lui, on va se tabasser, je pense. Quand il a pris son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. C'est Undertale, ça. Allô? Oui, bonjour, conseil bancaire. Ta gueule. La blague était moins drôle maintenant. Ça alors, il n'y avait rien, puis la caverne semble être apparue juste pour Fifou. Bah oui, on commençait à avoir l'habitude. Et le Pokémon qui monte la garde, allez, let's go. L'atmosphère est étrange par ici, pourquoi il y a des colonnes dans cette caverne? Bah oui. Oh, on dirait l'étoile! L'étoile de la mer! Au poison, c'est difficile pour ma team. Mais bon, on peut juste l'affaiblir avec... Vous pensez qu'il meurt sur tonnerre? J'ai peur qu'il meure sur tonnerre. On va peut-être juste l'affaiblir avec plume dans le cul. Non mais arrêtez avec Magnéton et Magnézone, c'est quand même terrible dans le chat, là, calmez-vous. Il a trois yeux, c'est tout, point. Merde.
Ouh, il est plus rapide que moi. Ouh, ok. On va faire un giga impact puissant. Il va... Non, on va pas one shot. Oh sa mère, les dégâts, let's go. Parfait. Très bien. Oh, il m'a fait un style rapide pour me mettre deux attaques sur des... Oh, le bâtard. Ah, en vrai, notre meilleur match-up, s'il est aux ténèbres, c'est... Attends, il est aux ténèbres ou au poison? Ou poison haut? Bon, bref, normalement, Fiat Panda est bien, je pense. Bon, on va voir tout de suite. Est-ce que point glace... Ok, d'accord. Il prend le point glace, donc du coup... Non! Débile! Petit passé. Gros con! Heureusement qu'il n'a pas demandé le nombre de cheveux de fille. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup pour ton don. Et oui, effectivement, ce serait dur à compter. Il y en a 3. Bravo, Fifou. Bah, je voulais le capturer. Je suis un peu deg, en vrai. Mais bon. Vous ressentez une étrange présence. Oh! Cré. Ah, c'est le plus stylé des 3, hein, clairement. Hein. Ta volonté est à l'épreuve. Essaye de me toucher, ne serait-ce qu'une fois, avec une boule pacifiante. C'est une blague? Oh non, y a un boss. J'imagine qu'il faut que tu le bou- tu touches avec. Ok. What the fuck? Hein? Vas-tu abandonner? J'abandonne pas, non. Ah, mais c'est ça, c'est la détermination, on peut pas l'atteindre. Eh, hey, tu me vois pas, hein? Regarde cette discrétion! Ok, ok. Hop! Ha! Hop! Mais... Attends, mais... Lancer en cloche! Oh, il est juste en dessous de moi. Ta mère, c'est impossible de l'avoir. Faut juste pas abandonner, en fait. Ne penses-tu pas que tu devrais abandonner? Veux-tu continuer malgré tout? Non, tu as donné la volonté aux humains. Je n'abandonnerai pas. Je jump, je jump. Hop, hop, tu me vois, tu me vois pas? Oh là là, hop là. Hop là. Et hop là. Et hop. Yeah. Hop là. Ça le pute, va. Connard. Non, je vais pas abandonner, nique ta race. Ah ah, je t'ai bien eu, hein. Et bah voilà. Ah non. Oh. Je l'ai eu. Créé. Oh là là, les textures autour de lui, mais quand même. Je t'octroie une part de moi-même. Eh ben voilà, il suffisait de pas abandonner. Eh les mecs, il faut jamais abandonner. Jamais, à un moment donné, il faut pas abandonner. C'est le croc de Créfadet. C'est bien aimable. Mais regardez, il y avait des... Il y avait des artefacts noirs autour de mon perso. Mais il y en a encore, on les voit là. Mais regarde. Non mais attendez, mais c'est... Mais... Mais c'est... Attendez, c'est une...
Non mais regardez mes jambes. Non mais les mecs. Mais regardez ça. Non mais. Je suis vraiment désolé, mais. On a fait le tour des lacs. Oh non mais c'est un putain de scandale. Mais regardez ça. Je prends un screen pour Twitter. Mais regardez ça. Mais c'est quoi ce truc? Regardez autour de mes jambes. Mais qu'est-ce que c'est? Mais attends, mais... Mais on voit les... Il s'est pas rasé. Oh. Nous avons terminé les épreuves des trois lacs. D'après ce que nous avait dit Pensea, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. Je sais pas trop ce qui nous y attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y. Voici enfin les ruines brumeuses. Depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon et le monde des mythes. Si nous voulons le relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. Ah, quelle classe! Comment vous avez su qu'on avait réussi à réunir les trois objets? Vous nous observiez depuis le ciel? J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Vous voulez parler de ce Pokémon qui parcourt toute la région de Hisui? Enfin, c'est pas le moment de parler de ça. Hein? De quoi il parle? Vous savez comment fabriquer la chaîne rouge? Je n'en ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la faille spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet pouvant être fabriqué par le commun des mortels. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Fouiller Hisui pour trouver un moyen de la créer? Oh! Que se passe-t-il? Oh! Ah! Oh! Coucou les copains! Les trois Pokémon du lac! Oh! Ah! I! Ah! Oh, le monde distorsion! Oh! La chaîne rouge! La musique, il gâche tout! Ta-ta-la-la, ta-la-la. C'était donc vrai, les anciens récits, ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération, ils disaient donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. Fifou, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Il est méchant. Un collègue de la compagnie Jinko m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension du Mont Couronné. Il n'a même pas attendu le compte-rendu de tes recherches. Il a perdu la tête, qu'est-ce qu'il compte faire en s'approchant de la faille? Il ne sait pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Il faut vite aller lui dire que grâce à Fifou, on a réussi à l'obtenir. Ah merde, est-ce que c'est le moment du jeu où genre je peux plus sauvegarder et m'arrêter? Je crois que c'est ça, hein. Oh non. Fifou! Fifou! Je suis content de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps des chercheurs ne se parlent presque plus. Chef Selena mange moins de beignets de patates qu'avant. Mais attends-moi un moment, je vais aller la prévenir. Fifou! Le professeur était très inquiet à ton sujet, tu sais. Il est vrai que je me faisais du souci, mais pas autant que Lucia, je dois dire. Ce n'est pas vrai, voyons. Masquer sa gêne en disant un mensonge, ce n'est pas digne de vous, professeur. Mais où est notre chef? Elle n'est pas avec vous, professeur? Elle est au bureau du corps des chercheurs. La pauvre croule sous une montagne de travail. Comme le dirigeant Cormier est parti, c'est à elle de tout gérer. Cormier? Il est parti vers le Mont Couronné avec les membres du corps de la défense. Il voulait examiner la faille spatio-temporelle de ses propres yeux, ainsi que le Pokémon qui a été aperçu de l'autre côté. C'est pour ça qu'avec mon Pikachu, nous gardons l'entrée du village. Pour le moment, nous allons retrouver Selena.
Ah ouais, non, mais c'est ça, je peux pas sauvegarder, en fait. Je peux pas m'arrêter. Le chat ainsi débile de spoil. Non, mais je lis à peine le chat. Je sais qu'il y a des connards qui spoil, donc... D'ailleurs, Tifron et Kogaya... ban. Franchement, vous spoilez, vous êtes ban. Permanent. Je déteste ça. Je constate que tu es revenu en un seul morceau, bravo. C'est grâce à vous. Franchement, elle a géré, je ne vois pas de quoi tu parles. Elle est trop cool, elle. Mon Abra agit de son propre chef. Ah, c'est trop cool, elle est trop cool. Si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations intéressantes. Les Pokémon des lacs. Que veux-tu dire par là? Vous expliquez tout ce que vous savez au sujet de la scène rouge, ok? Un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple avec les membres du corps de la défense afin de contenir toute menace éventuelle. Le dirigeant a beau être fort, il aurait mieux fait de demander à Fifou de l'aider. Considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs. Voilà mes ordres. Rends-toi au Mont Couronné et utilise la chaîne rouge pour régler la situation. À vos ordres! Ça va pas poser de problème de prendre une telle décision en l'absence du dirigeant? La faute incombe à celui qui s'est absenté en me laissant la responsabilité de lui. Elle est trop stylée. Selena Bay! Je veux l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs. Toi, ta gueule, toi. Je ne l'interdis pas. Trop stylé. Ah, ça y est. Nice. Et voilà. Bah écoutez, on... Ryo? Lucario, tout va bien? Je m'appelle Alben. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fifou. Enchanté. Ryo. Lucario. Lucas. Lucario semble ressentir une puissante aura émerger de toi. Tu veux bien me rejoindre au dojo pour un petit combat? Oui, on fera ça la prochaine fois. Allez, on s'arrête là pour... on s'arrête là pour ce soir. Merci à tous d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup lundi à 21h pour la fin de Pokémon Légende Arceus. Et j'en profiterai également pour vous annoncer le prochain Let's Play qui commencera fin février, début mars. Il y aura le prochain Let's Play Nuzlocke sur un fan game. Donc je vous annoncerai tout ça lundi. Je vous attends nombreux pour la suite. Je vous souhaite un excellent week-end les mecs. Profitez de votre proche, de vos proches et de vos amis. Et geekez bien sur Pokémon Légende Arceus. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.